Hey, donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment télécharger Pokémon Go cheaté. Comme Pokémon Go, on peut se téléporter, on a un joystick et tout, donc Hippogo. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez déjà vu les techniques précédentes qui ne fonctionnent plus. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais une vidéo toutes les semaines sur Pokémon Go, donc de cheat. Donc alors on va commencer la technique. Donc c'est une technique PC qui marche pour iOS, ça j'en suis sûr, et je pense qu'elle marche pratiquement que pour iOS. Donc alors faudra se rendre sur le site d'Hippogo, donc c'est le vrai site hein. Voilà, faudra se rendre sur le site d'Hippogo. Donc vous marquez Hippogo, vous mettez sur le premier lien, puis voilà. Donc vous téléchargez l'IPA juste là, le premier truc, vous téléchargez ça. Voilà, donc vous téléchargez juste ça. Et vous devez télécharger en même temps aussi Seedloadly. Donc voilà, donc vous cliquez sur Download Seedloadly. Donc moi je l'ai fait avec ce truc là, je sais pas si c'est bien. C'était le premier site, faites comme vous voulez vous pour télécharger Seedloadly. Voilà. Donc après, vous allez lancer Seedloadly. Donc normalement vous allez avoir un petit truc de téléchargement. Donc un autre truc pour télécharger. Donc vous téléchargez, puis voilà. Donc une fois que vous avez téléchargé Seedloadly, il faudra mettre le téléphone que vous souhaitez. Donc votre téléphone, pour mettre Hippogo, faudra le brancher à une prise à votre PC. Donc faites attention que la prise ne soit pas pétée ou quoi, parce que sinon ça peut jouer, donc ça va pas vous connecter. Donc une fois que ça vous a connecté, ça va vous mettre iDevice. Donc vous voyez plein de trucs. Moi je l'ai flouté. Mais vous, si ça a marché, vous voyez des informations cheloues. Voilà, vous voyez des lettres et des noms. Donc vous mettez votre compte Apple, donc l'adresse mail du compte Apple, du coup votre identifiant. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre ce qu'on a téléchargé, donc le truc d'Hippogo ici. Voilà, donc dans le IPA. Donc après vous allez faire start, c'est vraiment tout con hein. Vous allez faire start et je vais vous expliquer. Donc voilà, donc vous faites start. Et ça va vous demander votre mot de passe. Donc vous le mettez. Et ça va vous demander aussi un code sur le téléphone qui va s'afficher. Donc vous mettez autoriser la position machin à autoriser un mot de passe. Voilà. Donc après ça vous met signing. Donc vous voyez à l'écran, moi ça me met signing. Ça c'est très bien que ça vous met signing. Déjà c'est presque gagné. Donc ça vous met signing et là c'est en train de signer sur le téléphone. Donc voilà, donc il faut juste mettre votre mot de passe. Vous suivez les indications qui vont vous mettre à l'écran. Voilà, installing 15%. Donc ça a installé à 15% pour l'instant, donc on va voir. Et vous pouvez avoir les deux Pokémon. Après on va passer sur l'écran de l'iPhone. Dès que ça commence, ça va prendre un peu de temps, hein, je vais vous le dire. Voilà, donc installing, vérifie application. Donc je vais filmer avec mon écran d'iPhone. Voilà, et ça me l'a mis. Voilà, c'est bon, down. Et ça m'a mis Hippogo. Donc voilà, ça m'a mis Hippogo. Donc là, on va passer sur le... Oula. On va passer sur le téléphone pour que je vous montre. On va passer sur le téléphone pour que je vous montre. Donc voilà, c'est tout con. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc on va passer sur le téléphone maintenant. Donc voilà, donc là, je passe sur le mobile. Donc on est sur le mobile. Et vous pouvez voir que j'ai deux Pokémon. Donc j'en ai un, la version cheat, et un, la version officielle. Donc je tiens à dire que là, j'ai dû couper la vidéo. Mais j'ai bien lancé Hippogo. Et je vais vous montrer comment faut faire. Donc voilà, donc vous allez dans l'app de développeur et vous faites ça. Donc c'est, je vais vous rappeler où c'est. Vous êtes sur ça, vous allez dans général, vous descendez, gestion de l'appareil, et puis voilà, vous allez là. Donc ça va vous mettre ça quand vous allez cliquer sur l'application. Moi ça me le met pas, mais voilà. Donc tac, et voilà, j'ai Hippogo, j'ai vraiment Hippogo. Donc avec la version PC. Donc on va se connecter à un compte Google, je vais vous montrer. Tac. On va faire un peu de... Et l'application, si vous voulez en savoir plus, bah vous allez dans mes anciennes vidéos, je faisais déjà je vous ai montré. Donc là, je vous montre juste que ça marche, quoi. Donc on va se connecter, tac. Donc voilà. Donc je tiens à préciser qu'il faut... Si ça marche pas, ça met trop de temps à se mettre avec le compte Google. Vous remettez encore une fois, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais vous remettez. Donc là, on va faire refuser, voilà. Et je suis sur le compte, donc un compte à claquer. Mais voilà, j'ai Hippogo, donc vous restez appuyé pour le joystick, je vous rappelle ça. Voilà. J'ai Hippogo.
Pas mal. Voilà. Donc, c'est la technique de ce dimanche-là, de cette semaine-là. La semaine prochaine, je ferai une autre technique pour peut-être l'avoir directement avec le mobile. Si, et cette technique est vraiment sûre, hein, je tiens à préciser, cette technique est vraiment sûre. Et si ça fonctionne plus avec PC, je vais montrer une autre technique pour PC. Et si ça, et si Android, si vous, vous voulez Android, mettez-le moi en commentaire parce que j'ai pas d'Android. Du coup, je sais pas. Je pourrais demander à d'autres qui ont des Android. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!